Bonjour les petits amis, ici Artemia. Voilà, alors on va rejoindre le serveur. Alors je vous signale une chose, j'ai reboosté le serveur. Je l'ai relancé, donc on va y aller. Hop, 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 on y va. On va voir un peu ce qu'on va trouver. Je vous dis tout de suite, je ne sais pas du tout où j'arrive, ce que je vais trouver. Et je vais trouver déjà que je suis... Ah non, je croyais que j'étais... Oh, ben déjà il y a du cochon, c'est bien, je vais pas mourir de faim. Ben voilà, je vous dis bonjour à tous. J'espère que la rentrée des classes se fait bien. Alors on va monter plus haut parce que je ne sais pas. Alors je sais même plus comment on joue, c'est vrai. Ça fait longtemps. Oh, chouette, j'arrive dans un truc sympa. Là il y a des moutons, ben, c'est bon. Je rêve où il va. On dirait qu'il va faire nuit déjà. Donc ben, on va faire comme tout le temps, hein. On va déjà couper un arbre. Ensuite, on va essayer de se trouver une cachette parce qu'à mon avis, je vais m'enterrer parce que c'est mal barré. Donc, nous jouons donc sur un nouveau serveur et nous jouons en Minecraft de base. C'est-à-dire, il n'y a aucun mod. Il y a bien les zombies, les machins, les trucs, les choses. Ça, j'aimerais bien récupérer mon petit bout de bois qui se balade là-haut. Tu veux me l'ordonner ? Bah, allez, donne ! Oh, il veut pas, hein. Ah, mais... Bon. Voilà. Là, je vois qu'il y a un petit champignon. Hop, on prend. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons... Eh ben, nous avons pas grand-chose, en fait. Il faut surtout, c'est se dépêcher. Parce que je sais pas où en est le soleil, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Alors, on va se faire une base... par ici, parce que vite fait un petit abri, histoire que quand on arrive sur le serveur, qu'on se fasse pas déglinguer direct par les zombies et autres bestioles, parce que ça serait pas drôle. Oh, j'ai fait l'inventaire. Ah bon, je m'en fous de l'inventaire, moi. Oh là là. Alors attendez, parce que j'ai un nouveau clavier, résultat, je connais pas encore trop. Voilà. Oh, mais mince. Bon, c'est vrai que j'ai toujours la souris de merde, hein. Par contre, il faut vraiment que je m'achète une nouvelle souris. Parce que c'est pas triste. Bon, je vois le soleil, il est encore assez haut. Nous allons donc redescendre. Comme il y en a de bout de bois, on va faire vite fait une table de craft. Et on va aller se chercher de quoi faire des outils de base. Ah, mais... Ah oui, d'accord, il n'est pas à la bonne place. Parce que j'ai vu que de ce côté-là... Bon, tu me laisses passer, oui. Il y avait une sorte de... Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Oh, mais là, il y a du fer tout de suite, là. Ça serait sympa. Le problème, je n'y vois pas bien. Parce que j'ai le reflet de ma fenêtre... Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va aller s'éloigner un peu. On va aller chercher ici. On va aller chercher... Tiens, qu'est-ce que c'est? Non, bah c'est juste un trou. De quoi? On va se faire... On va se faire une... Vite, une table de craft. Ah oui, alors vous avez vu, j'ai mon petit skin... de petite jeune fille, hein. Bon, c'est vrai. Oh, j'ai toujours cette souris. Voilà. Bon, si je me faisais une table de craft, non, au lieu de faire l'idiote, là. Voilà. Une petite table de craft, hein, et on se met au travail. Bien, bien, madame, on va se mettre au travail. On se met la table par ici. Faut vraiment que je change de... Et mon fils qui est en train de discuter à côté, parce que vous l'entendez peut-être pas. Moi je l'entends et c'est un petit peu dérangeant. Je n'ai pas mis le timer et j'ai fait ma petite pioche. Donc on va aller se chercher un petit peu de pierre. Hop là. Alors une, deux, trois pour faire la pioche. Une, deux, trois pour se faire une hache. Une, deux pour se faire une épée et je suis coincée.
Et où j'ai mis ma table? Là-haut. Donc, on se fait la pioche. Hop, on se fait la hache. Et on se fait l'épée. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, quelle est leur idée? Oh, il fait bien bien sombre, c'est pas vrai. Bon, on va récupérer notre truc ici. Là, déjà, et on va aller. Il faudrait que je me prenne d'autres arbres quand même, parce que si je trouve pas de charbon, parce que je rêve ou il fait nuit là, c'est pas possible, je rêve. Non, je rêve pas, il fait nuit. Moi, comme vous le savez, je suis une trouillarde devant l'Éternel, donc voilà. Donc j'invite, si vous voulez venir, hein, y a pas de problème, il va faire nuit, je sens que je vais me faire croûter par des monstres. Oui, il va faire nuit, c'est bien ça. Hein. Bon, et ben tiens, on va descendre là. Hein. Hop là. Je sais, normalement, il faut pas faire ce que je fais. Hein. Je le dis, parce que ça c'est bon pour se retrouver à mourir, bêtement, parce que voilà. Bon, bah il fait nuit. Hein. Alors, on va creuser là. Je sais pas dans quoi je creuse. Je pense que c'est de la pierre. Ça, ça doit être du granit. Vous voyez rien, je sais bien. Attendez, je vais vous faire des torches. Hein. Dès que j'ai récupéré assez de pierres pour... vous me direz, moi je vois pas grand chose non plus. Hein. Dès que j'ai récupéré... C'est quoi que j'ai récupéré là? Ah, oh, j'ai récupéré du charbon. Bah voilà. Voilà. On pourra vous éclairer un peu. Alors, on va essayer de mettre les pierres là. La pioche ici. Et la hache juste à côté. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va éclairer. Parce que je ne vois rien. Ah, bah oui, j'ai du charbon là. Yes, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je n'ai pas mis de timer, je sais pas du tout quelle heure il est. Enfin, si, j'ai l'heure sur mon ordi, mais je veux dire, je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé. Donc, je vais tout simplement... Là, il est 14h42. Je vais faire... on va dire jusqu'à 15h. Ça fera à peu près un petit quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure d'ailleurs, mais bon. Voilà, on récupère de la pierre. C'est bien ça. Alors je sais, c'est pas très palpitant, mais bon. J'entends des chauves-souris, ce qui n'est pas fait pour me plaire. J'aurais pas voulu tout de suite quand même. Oui, ben je sais, je vous ai entendu les filles. Donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Là, nous allons commencer une nouvelle série en attendant que quelqu'un vienne me rejoindre. Si quelqu'un veut venir, hein, il n'y a pas de problème, je prends tout le monde. Bon, je prends pas les casseurs, hein, ceux qui s'amusent à tout casser quand ils... Ah, il fait nuit, ça va faire tout noir. Ceux qui s'amusent à tout casser quand ils arrivent quelque part, c'est pas très intéressant. Donc, abstenez-vous de venir si vous comptez venir. Hein, et abstenez-vous surtout de tout casser, quoi. Parce que c'est pas pour dire, mais c'est un serveur, honnêtement, il a pas de mode, il a rien. Donc c'est un serveur juste pour jouer, pour s'éclater un petit peu, quoi. Mais bon, on casse pas tout. Merci. Là, ok, mais je crois qu'on aura pris assez de... Oh, j'aurais... Bon. Quelle heure est-ce qu'il fait nuit, est-ce qu'il fait jour? Il fait nuit. Oh merde, c'est vrai. Allez, il fait nuit. Bon, ben voilà, hein. On va attendre, hein, tout doucement.
doucement, patiemment. On va essayer de remonter la surface par là, peut-être, tiens. Histoire de voir si on peut jouer sur le fait... J'ai un peu peur, hein. Une petite torche par là. Oh, mais j'en veux qu'une, j'en veux pas 36. Bon, ensuite, là, on a quoi? Non. Putain, c'est pas vrai, je suis en train de monter dans la montagne ou quoi, là? Oh. Oui, bah, excusez-moi, mais je remonte. Ah! C'est l'herbe. Donc... on a de la terre, c'est l'herbe. Et bien on va boucher. Oh, j'ai une pomme. Bon, c'est bien. Quoique, je laisse comme ça, ils peuvent pas m'atteindre. Et je peux les taper. Yes. Oh, c'est bon ça, ben, je vais laisser comme ça, tiens. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bon, ben, les amis, pour l'instant, je vais vous laisser là, hein, deux petites secondes, le temps que qu'il fasse jour, qu'on puisse sortir, qu'on puisse aller chercher le fer, les quatre morceaux qu'on a vus, parce que ça serait quand même pas mal bien. Et puis, attendez, l'entrée, elle était là, je pense que la grotte, c'était par là. On va peut-être essayer de creuser par là, en attendant le jour. Ouais, c'était là. Ça m'inspire pas d'y aller, mais... non, c'était là, oui, non, non, oui. Ça m'inspire pas, hein, quand même, hein. Bon, on bouche, comme ça. Si tu veux bien me boucher, merci. Voilà, et puis on va attendre le jour, hein. Comme ça, on pourra peut-être aller chercher un peu de... un peu de fer. J'entends des moutons... pardon, des cochons. Et puis ben, je vous retrouve dès qu'il fait jour, comme ça on ira se chercher un peu de viande parce qu'il faut bien manger. Hein, moi je regrette, je mange pas de l'herbe. Et bon, je n'ai rien contre les gens qui mangent, qui sont végétariens ou végétaliens ou végans ou tout ce que vous voulez. Hein, je n'ai rien contre eux, au contraire. J'estime qu'ils ont une bonne politique, mais bon, c'est pas mon style, moi c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est bah, de bien manger, de profiter de la viande, après tout. On est des carnivores, c'est pas pour rien. Je vais faire un four. Hop, 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 hop. Ok. Un four, c'est fait. Je vais me faire peut-être une autre pioche. Parce que, bah, parce que je le vaux bien. Oh, s'il pouvait y avoir un cochon qui descende dans mon petit trou, là. Je veux pas descendre dans mon petit trou, petit cochon. Je vais m'en faire encore une, d'ailleurs. Voilà. Oui. Petit cochon, tu peux venir dans mon trou, là? Allez, viens, descends, descends, fais semblant de tomber. Il n'y en a pas un qui va tomber, hein. C'est pas vrai ça. Ils sont pénibles ces cochons. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, voilà, j'ai fait le four. Voilà, j'ai fait ça. Il me faudrait... j'ai un petit peu de charbon. Là, on a l'entrée de la grotte. Est-ce qu'on a un cochon là par là? Non? Il n'y aurait pas un cochon par là? Bah non. Et là non plus? Bah non. Bon, ben vous savez quoi? On va s'arrêter là et puis on va attendre qu'il fasse jour. Bon, ça m'embête un peu, hein, parce que... ah, on dirait que ça y est, on dirait que ça commence à faire jour. On va peut-être pouvoir...
ressortir. Hop, là, on s'éloigne un peu déjà, avant qu'on se fasse repérer. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Il n'y a pas de monde. Bon, il n'y a pas de monde. Alors, on va essayer d'aller tout de suite chercher le fer qu'on a vu là. Ah bah si, il y a un petit slime, tiens. Petit slime, tu fous la paix, hein. Non, 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 mais ça va, non. Oh, tu vas pas commencer, toi. Qu'est-ce que c'est que je vois là-bas? Des trucs bizarres qui bougent. Attendez, je vais ramasser ça. Et je vais aller me mettre ailleurs. Et je vais essayer de régler mon ordinateur. Normalement, j'ai le braquenais à fond. Alors, bon, je vais quand même aller chercher le cochon. Ce que je veux pas dire. Où c'est qu'il est mon trou, moi? Il doit être par là. Hein. Petit cochon. Bah tiens, là, il y a des champignons marrons. Bon, on aurait fallu un deuxième, un peu plus de rouge, parce que comment je peux pas me faire de soupe. Comme ça, on va faire plaisir à une copine. Si j'ai une fille qui fait du Minecraft aussi, refait à 2012, vous la connaissez peut-être. Elle, c'est une végétarienne pure race. Elle ne mange pas de viande. Bon, moi, je regrette, mais moi, j'aime la viande, alors donc je mange de la viande. Mais bah, elle, elle ne mange pas de viande. Attendez, je vais mettre un truc pour repérer où il est mon trou. J'ai le truc. Voilà, ok. Tu vas tourner là. Alors, ton trou, il est par là, normalement. Hop là, il est là. Donc, on va se mettre ici. On va mettre une petite torche. Voilà. Maintenant, on va aller chercher des moutons. Hein, je m'excuse, mais j'avais vu qu'il y avait des moutons. Je vais chercher le mouton, je vais chercher le cochon. Et puis après, ben, après on se quittera. Oh, ben, j'ai tout ce qu'il faut, là. Oh, mon Dieu, regardez-moi ça. Oh, la vache. Ouais, oui, ben oui, attends, on pleure. Là, il y a une vache qui est prisonnière, cocotte. T'es avec qui? T'es personne avec toi? Oh, c'est bien. Je suis devenu tanneur de cuir, un petit champignon, c'est bien. Oui, ben, voilà. Allez, hop, encore un petit cochon. Et je t'ai blessé, ça te fait mal, viens que je t'achève. Voilà. On va laisser les autres. Il a bien fait que je tombe, c'est normal, hein. Bon, les moutons noirs, je les prends pas, mais je vais prendre les moutons blancs. Voilà, une laine. Il n'y en a pas une autre? Ah non, dis pas ça. Hein. Bon ça, il y en avait plein tout à l'heure. Bah non, c'est pas juste. Je vais bien finir par me perdre, vous allez voir. Mais moi, je me perds dans un couloir, alors vous savez, c'est vite fait. Hein. Puis de se perdre sur Minecraft, c'est très vite fait. Là-bas, des moutons, des moutons, des moutons. Suce au mouton, suce au mouton. On y va. Tagada, 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 sautoin. Va l'aller, Dalton. Yes, je t'ai vu. Tu vas pas échapper. Et toi? Yes, 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 yes. Tu m'as pas vu. Eh, coucou. Petite tape, tu m'as pas vu. Tac, tac, tac. Merde, il te sauve en plus. Et tu veux rester là? Non, mais voilà, j'ai mes trois laines. Je les ai au moins. Ouais, j'ai mes trois laines, je peux faire mon lit, je m'en vais. Et je laisse les autres. Par contre, où est mon trou? Bon, quoi qu'à la limite, on s'en fout. Je pense que c'est par là. Parce que normalement, je sais que je suis arrivé par là. Donc, je pense que c'est... qu'est-ce que c'est? Là, il y a un trou. Il y a quoi, là? Ah bah oui, c'est là où j'étais tout à l'heure. Là, il y a des poules. Il y a creeper, 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 creeper. Creeper, il n'y en a pas, on meurt. Hop là, creeper, on s'en va. Creeper, aïe, 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 aïe. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Non, 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 vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. Je me sauve loin de vous, loin de vous.
Voilà, vous savez, hein, toujours aussi courageuse la nénette, hein, faut pas vous inquiéter, hein, c'est normal, hein. Pourquoi je monte comme ça, moi? Bon. Ouf. Allez, on va ramasser du bois et on va se casser ailleurs. Hein. Quoi, je suis courageuse, enfin, j'ai pas eu peur, un tout petit peu. Bon, où est mon trou? Il est là normalement, donc je vais récupérer ma trappe de craft, ma chandelle est morte, et on laisse l'autre chandelle par-dessus, on sait jamais, on sait qu'on est passé par là. Bien, donc si vous venez, vous savez qu'il y a une chandelle quelque part, il y a un trou, vous pouvez vous mettre dedans. Bien, 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 bien. On continue. Bon, ça va être bientôt l'heure d'ailleurs de se quitter. Hein, parce que je vois déjà en plus que la nuit va se faire et que j'ai pas envie de mourir. Voilà, donc on va se tirer ailleurs. On va aller. C'est quoi qu'il y a par là? Oh, c'est bien. Il y a quoi là? Oh, c'est bien ça. Il y a quoi? Oh, ben, y a rien. Bon, enfin, il y a du charbon. On va casser ça. Ah, ça fait du bien. Du Minecraft pure race. Vous vous rendez compte? Sans mode, sans rien. Juste, voilà. On récolte. On se fait taper dessus par les monstres. Parce que, bah, y a des monstres, hein, il faut bien le dire. Chose qui est pas spécialement sympa. Mais bon, moi j'ai peur. Donc, j'évite de me battre avec eux. Hein. Enfin, c'est pas que j'ai peur. C'est que pour moi, dans Minecraft, c'est comme dans la vraie vie. Si on me tape, j'ai mal. Alors que c'est un jeu, hein. Je sais bien. Je sais bien. Mais moi, j'ai toujours, je suis comme ça. Depuis le premier jour, moi, le premier jour où mon fils m'avait fait découvrir ce jeu, je vous garantis, j'en ai fait des cauchemars la nuit. Je me suis réveillée, j'étais en train de crier. Un monstre, il va nous taper, il va nous taper. Et pourtant, à l'âge que j'ai, je ne l'aurais pas avoir peur. Bon, j'en laisse un peu pour ceux qui vont arriver derrière moi. Je veux pas dire, mais il va faire nuit. Il va faire nuit noire. Là, c'est un champignon. Oh, je commence à avoir faim. On va essayer d'aller. Oh. Ah ben non, c'est là où j'ai tué la vache. On va essayer de trouver un autre endroit. Là, il y a une vache, on va la laisser pour ceux qui vont arriver. S'il y a quelqu'un qui vient, hein, au moins vous avez de quoi. Comme vous avez vu, vous avez de quoi chercher à manger. Il y a des champignons. Hop là. Mais à mon avis, je suis dans un marécage. Donc, d'ici que je rencontre une vilaine bébête, appelée une sorcière, il n'y a pas des kilomètres. Bon, est-ce que j'ai d'autres champignons? Là, est-ce que j'ai d'autres champignons? Non. Il n'y a pas d'autres champignons. Champignons. Il y a une jolie plaine. Donc, ben, je crois que je vais m'installer par là. Hein. Bien, parce que moi, j'aime pas la sombritude des endroits comme ça. Que là c'est le domaine des sorcières et quand je vous garantis que quand elles vous envoient leur boule de potion là, ben, punaise ça fait mal hein. Ça vous déglingue. Oh, oh ben il va faire nuit. Oh ben il va faire nuit. Oh, oh mon Dieu. Hop là, qu'est-ce que c'était que ça? On va aller par là. Hop là. Bon, alors, comme il va faire nuit, ça m'embête un peu.
Qu'est-ce que je pourrais avoir comme abri? Oh, ça fait un trou, hein. Il faut que je trouve un abri, les enfants. Un arbre, n'importe quoi. Quoique c'est vrai, tiens, ça serait sympa de faire une maison dans un arbre. Ah ben, je croyais que je pouvais grimper. Je peux même pas grimper? Ah bah non, bah non. Mince. Bah je veux trouver un arbre pour m'abriter, moi. Enfin, je sais pas si c'est bien un abri, un arbre, mais bon. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est marrant ça. Ouh. Je peux pas grimper là-haut. C'est sympa. C'est joli. C'est joli. C'est nuit. C'est joli, mais c'est nuit, hein. Je veux pas dire, mais bon. Alors, on va se mettre ben, tronc d'arbre, qu'on va essayer de grimper. Voilà. Hop là. Ah. Allez. Allez. Voilà. On est bien là. On va se faire repérer. C'est pas grave, hein. Bah regardez, il y a déjà un archer là-bas. Vous voyez là où il y a le pointeur? Il y a déjà un archer. Alors lui, il tire des flèches de loin, hein. Je vais quand même éviter de m'en prendre une dans les fesses. Hop là. On va se faire une petite plateforme. Et on va se mettre des branches, des troncs. Alors, on va essayer de trouver. Oh ben oui, ben j'aurais mieux fait de prendre au moins des mêmes le même bois que celui que je suis monté. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute manière, à la limite, on l'enlèvera et on se mettra. Oui, je sais. Ben il fait noir, hein. Oui, je sais, il fait noir. Allez, punaise. Là-bas, il y a deux zombies, un creeper. Alors, les zombies sont en bleu, et le creeper est en vert. Là-bas, il y a quoi? Un autre zombie, un creeper. Trois zombies, un creeper. Bien. Ben, là, il y a un creeper, là. Je suis très bien entouré, moi. Franchement, j'ai bien trouvé mon coin encore, hein. Bon, je sais que les zombies et creepers, tout ça, ils peuvent pas monter à l'arbre, mais par contre les araignées, elles peuvent. Hein. Ça, on peut pas y faire autrement. Les araignées, elles peuvent monter. Alors. On va essayer de faire en sorte que le creeper, il m'a vu. Tu m'as vu, nananer. Mais il sait qu'il peut pas monter, donc il vient pas, quoi. Ils ont revu un petit peu l'intelligence artificielle des monstres. Et ils savent que quand ils peuvent pas monter, ben, ils viennent pas vous chatouiller, quoi. Oh là, il y a un petit bébé zombie. Puis eux, alors, par contre, ils craignent parce que, par contre, qu'est-ce qui court vite, les saligots? Là-bas, là, vous le voyez peut-être pas, moi je le vois. Juste à la pointe supérieure du truc, il va peut-être bouger. Et vous allez peut-être le voir. Et là, je crois que c'en est un aussi. Et c'est pareil que les creepers, ils vous sentent de loin, les bestiaux. Mais il est parti où, là, l'animal, là? Et bah tiens, on va se mettre un peu plus grand.
Ah bah tiens. Hop. C'est bien. Creepy, qu'est-ce que tu veux, Creepy? Eh oui, mais tu peux pas monter, mon petit Creepy. Je peux pas. Je sais pas que je t'aime pas, mais. Oh, en fait, si, c'est parce que je t'aime pas, quoi. J'ai pas envie de t'inviter, ça va. Tiens, vous voyez, quand je vous parlais des sorcières, il y en a une là. À la pointe du pointeur. Il y en a une. Bon, ça, je suis dans un marécage. Alors, tu veux, oui, ou tu veux pas? Ah! C'est pas ça que je voulais faire. Ça vient de la souris qui déconne plein pot. Allez. Oh, punaise, c'est pas vrai ça. Mais c'est pas vrai. Arrête les bêtises. Et là, tout noir. Alors là, vous avez une araignée. Et là, tout noir, ça s'appelle. Alors je regarde pas parce que ils sont super dangereux. En deux coups, comme moi, j'ai pas d'armure. En deux coups, ils vous cassent. Hein. Ce sont des Enderman. C'est de la saloperie. Voilà. Ah, mais j'ai pas assez de bois. Est-ce que j'en ai encore? Oui, un petit peu. Voilà. On va se faire une cabane dans les arbres. On va se mettre une petite. On va se mettre le four déjà, hein, parce que apparemment je suis en train de mourir de faim. On va se mettre le four dans le coin là. Hop. Et on va se faire cuire à manger. Voilà. Ah, un peu de lumière. De récupérer le bois là qui est là. Voilà, et on va mettre ça. Là, ok. Là, ici, on récupère le bois qui est là. Là, et on va mettre celui-là. Oh merde, c'est pas ce que je voulais. Allez, c'est pas grave, on va aller chercher celui-là. Voilà. Et on remet ici. On va essayer de se faire une maison un petit peu agréable quand même. Voilà. Et voilà. Et les 8 côtelettes de porc. Voilà. Bon, on va pouvoir manger. Voilà. Bon, ça remplit pas son estomac, mais enfin, c'est toujours mieux que rien. On va poser la table de craft. On va la poser où? Faudrait que je casse celui-là, donc on va la poser ben là. Bon, qu'est-ce qui cuit là? Encore toi. Et après, il y a ça. Voilà. Bien. Oh ben voilà, c'est bon, il commence déjà à faire jour. Et je me suis pas couché. Donc je vais vite essayer de faire mon lit. Pour pouvoir, si en cas je meurs, me retrouver. Hop. Ici. Allez! Alors, quand on a du mauvais matériel, là, c'est vraiment la bérésina. On va mettre le lit. Putain, vite, avant qu'il fasse jour. Vite, 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 vite. Ah. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai mon point de spawn. Et tout le monde est en train de cramer. Ouah, que c'est beau. Et je vais peut-être en profiter. Hein. Hop là. Yeah, 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 à l'attaque, parce que... Ah non, 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 c'est pas du jeu, là, franchement. Qu'est-ce que tu veux, toi, creeper?
Casse tout, mon gars. Casse tout. Allez, hop. Un petit peu de viande de zombie et un autre creeper. Hop là, il est où? Je sais pas, mais je l'ai vu. Il doit être derrière moi. Est-ce que je me retourne? Est-ce que je me retourne pas? Mais il est où? Ah non! C'est pas du jeu. Tu t'en vas pas comme... Ah, il est là. Bing. Ben voyons. Eh ben au moins comme ça tu fais le travail à ma place, c'est bien. J'ai plus qu'à repoucher les trous. Bon, ensuite, nous étions... Là, c'est pas là. Bon, où c'est qu'elle est ma cabane? Ah ben elle est là-haut. Ma petite cabane bambou, elle est là-haut. Voilà, encore un peu de terre. Hein, voilà. Où ils sont morts les autres là? Qu'on puisse récupérer leurs os. Il n'y a plus des os. J'en ai eu que deux. Oh! Un zombie! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as pas l'impression que t'es fatigué, non? Tu vas mourir. Mais regarde, tu meurs! Regarde, tu vois bien? Alors? Oh, franchement. C'était pas bien, tu vois. T'as voulu te protéger sous les arbres, ben tu vois. T'es le bon dieu de Minecraft qui t'a puni. Bon, mais ça me dit pas où sont les arbres noirs que j'avais tout à l'heure. Ensuite, donc, que maintenant... Oh, un squelette. Oh, pardon, je t'avais pas vu, toi, excuse-moi. Je l'ai pas vu. Oui. Elle est où, ma maison? Elle est là-haut. Ah, ben au moins, elle se voit bien. Hein. Bon, on va essayer de trouver des arbres noirs pour pouvoir finir ma maison. Et donc, vu qu'il est quand même 15h11, je vais donc vous laisser. Je récupère celui-là, là, parce que ça, c'était le mien. Parce qu'il faudra que je me fasse une échelle. Ça, ouais. Ouais. Ah, j'entends des araignées. Ils sont où ? Oh, ils sont en dessous. Ah bah d'accord, moi je fais bien, tiens. Je vais m'en faire toute seule. Là. Et je vais repartir à la recherche de mes arbres que j'avais avant. Là où je suis arrivée vers le point de spawn. Il faudrait déjà que je le retrouve. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, alors où est mon point de spawn? Ça, c'est encore autre chose. On va aller par là, on verra bien. On trouvera peut-être. Oh, un zombie qui est mortibus. Il est mortibus par là, le zombie. Là, nous avons un trou. Qu'est-ce que nous avons dans ce trou? Nous avons rien. Oh, des arbres. Oh, un mouton. Punaise, c'est où ça? Bon, attends, tant pis, on saute, on verra bien. Oh, ça c'est où? Bon, donc je dois être par là, hein, parce que je sais qu'il y avait le truc. Ça, il y avait ça, donc les arbres doivent être par là. Là où je suis arrivée. Et bien là, on va aller là, vers le point de spawn, si j'arrive à remettre la main dessus. Et après, ben, on se quittera là. Alors, à savoir... que les creepers ne meurent pas quand il fait jour, contrairement aux autres bestioles. Les araignées sont gentilles la journée, bon, enfin bon, si on peut dire ça. Les zombies crament la journée. Enfin, ils crament au soleil, les squelettes crament au soleil, etc., etc. Je ne trouve plus mon point de spawn, je crois que c'est par là-bas. Ben voilà, quoi. On n'a pas trop à se plaindre, on n'a pas trop à galérer. Je rêve ou j'ai entendu quelqu'un qui m'a tiré une flèche? Où es-tu, malandrin? Je vais pas retrouver mon coin. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas le retrouver parce que...
Bah voilà un arbre que je veux. Toi t'es bien, t'es haut, t'es grand, hein. Bien, alors on va remettre des bûches et on va remonter un peu plus haut pour pouvoir cueillir l'arbre plus facilement. Voilà. Voilà. Allez, on en prend un autre. Parce que je vais faire ma maison en bois, mais de deux couleurs. Est-ce que je vais retrouver surtout ma maison? Ça, c'est encore autre chose parce que, évidemment, j'ai pas fait de point de repérage, j'ai rien fait. Ce qui fait qu'à mon avis, je vais me faire avoir. Voilà, je vais me faire avoir. Alors, le bruit qu'on entend, c'est soit il y a une grotte en dessous, soit c'est un endroit sombre. Oui, alors, je disais, les creepers ne meurent pas la journée. Ils rentrent dans leur trou, mais disons que, je veux dire, ils peuvent être dehors, hein. Ça, c'est clair. Ceci pour info. Les Endermans se mettent à l'abri, parce que, bon, ils viennent d'un monde de sable qui s'appelle Lander. Oui, c'est ça. Land, c'est-à-dire qui veut dire fin, en fait. C'est la fin des haricots. Les araignées sont gentilles la journée, les zombies crament, et les squelettes aussi. Hop. Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai encore d'autres arbres qui m'intéressent? Oui. Bon, voilà. Bon, après ça, on va aller dans mon autre maison. On va essayer de la retrouver, du moins. Hein, parce que je suis douée, mais pas à ce point-là, hein. Et là, ben, je vais vous laisser parce que ça va faire bientôt une demi-heure que je suis en train de tourner et ça va faire énorme pour uploader. Voilà, ben, je vais vous laisser là mes petits amis, je pars à la recherche de ma maison. Et je vous dis ben, à bientôt, bisous, bisous, au revoir tout le monde, bye bye.